Merci à tous d'être présents, car sans vous, évidemment, toute la question ne se poserait pas, tout simplement pour pouvoir interroger encore, et je dirais, pouvoir donner l'espace à la question de l'éthique, à la question du management, et je pense, par rapport au forum Cœur et Raison, rejoindre au plus près l'écologie humaine. Quand j'ai vu le thème de la soirée, management et éthique, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas dans deux termes complètement antinomiques? Donc, qu'est-ce que le management? Mais pourquoi devient-on manager? Pourquoi veut-on affirmer son leadership? Quel est l'objectif du manager? Imaginez un mot transparent, là. Premier point, est-ce que c'est faire travailler ses collaborateurs? Est-ce que c'est ça l'objectif du manager? Faire travailler ses collaborateurs? D'après vous? Ben évidemment. Deuxièmement, est-ce que c'est faire réaliser des objectifs à ses collaborateurs? C'est un petit peu mieux, mais c'est pas... Ou troisièmement, aider à faire réaliser des objectifs à ses collaborateurs? Peut-être que c'est mieux. Mais vous voyez que c'est par rapport à ces trois conceptions du management, on va avoir trois comportements différents. Et ce qui est grave, c'est que le comportement du manager va influer sur le comportement des salariés. C'est ça qui est terrible en fait. Et c'est un cercle vertueux, joué en fait. Le rôle du manager, face aux difficultés qui l'entourent, c'est d'aider les autres, ses collaborateurs, à élever une cathédrale. C'est-à-dire donner un sens à leur action. Et je crois que le secret du bon manager, c'est d'essayer de comprendre son collaborateur, de pouvoir lui envoyer des messages qu'il est prêt à écouter. Lorsque je suis arrivé à Abu Dhabi, j'étais en principe recruté pour mes connaissances en matière financière, puisque j'enseignais à Dauphine en matière financière, donc mes 95% de mon temps était occupé à régler les tensions à l'intérieur de mon staff. J'ai trouvé qu'il y avait, dans le cheminement de la pensée, il y a trois niveaux. Il y a le savoir, il y a le savoir-faire, et il y a le savoir-être. Le savoir qu'on acquiert à Sciences Po est un savoir qui est saucissonné. On ne trouve pas, je n'ai pas trouvé et vous ne trouverez jamais une situation qui n'est que du droit constitutionnel. Vous ne trouverez jamais une situation où il n'y a que de l'étude des marchés financiers entre 1929 et 1930. Vous ne trouverez jamais une solution à ces questions. En matière maintenant de savoir-faire, le savoir-faire lui-même est limité. Lorsque vous songez que la crise financière aujourd'hui est due à quoi? Eh bien, à des personnes qui, incontestablement, savaient faire beaucoup de choses. Les modèles économétriques et mathématiques qui ont mis le monde entier dans cet état-là, eh bien, je ne peux pas qualifier ces modèles mathématiques comme étant une réussite. Par conséquent, on n'apprend pas l'éthique. L'éthique, on ne l'apprend pas à Dauphine ou à Harvard ou n'importe où. L'éthique par rapport à la morale donc est globale en fait. Elle est soutenue par des valeurs et elle dit le bien et le mal. L'éthique, en revanche, c'est le prolongement de nos principes moraux privés dans la sphère professionnelle. Et donc, en définitive, on va s'intéresser à l'application quotidienne des règles de conduite. Pour faire simple, chacun aura son éthique. Dans la mesure où chacun a ses propres valeurs, il va les appliquer au quotidien. La grosse difficulté, c'est la manière dont on va déplacer le curseur étant coincé entre les valeurs que l'on adhère et puis les contraintes de la situation. Et là, il faut faire jouer son intelligence situationnelle. Et chaque individu va déplacer son curseur par rapport à ces deux contraintes. L'éthique, à mon avis, et c'est ce que je vous propose,
L'éthique est du domaine du savoir-être. L'éthique est du domaine du savoir-être. Vous lisez n'importe quel philosophe. Vous lisez Socrate, Platon, etc., Aristote, Ibn Sina, Ibn Rushd, etc., etc. Kant, puis Descartes, et puis Leibniz, et puis Spinoza, et puis. Eh bien, ce que vous lisez, tant que vous ne l'avez pas intégré, tant qu'il n'est pas à l'intérieur de vous, il est nulle part. Et par conséquent, si vous voulez, le fait de passer des diplômes, vous êtes agrégé de ceci ou désagrégé d'autre chose, eh bien, le fait, vous l'êtes réellement désagrégé. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que la matière est restée à l'extérieur de vous. Et par conséquent, si nous voulons être éthiques dans notre comportement quotidien et dans notre management, et dans notre diplomatie, et dans notre analyse de géostratégie, et dans nos décisions de pétrole, d'investissement, etc., etc., il va falloir tout de même que, comme dit Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, il va falloir travailler sur soi. Alors, bien. Si vous n'avez pas résolu ces problèmes de peur, d'anxiété, de haine, etc., enfin tout, eh bien, vous ne pouvez pas être éthique, ce n'est pas possible. Parce que l'éthique exige précisément l'écoute de l'autre, l'empathie. L'éthique exige l'empathie, la compréhension de l'autre, la solidarité, l'amour, puisqu'il faut prononcer ce mot-là. Elle fait appel à quoi l'éthique ? Au valeur. Elle fait appel à quoi l'éthique ? Eh bien, à la quête du sens. Mais pourquoi je suis sur Terre ? Quel est le sens de ma vie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi je suis là ? Quel est mon avenir ? Si vous dites que les musulmans sont tous terroristes, eh bien, vous ne pouvez pas être éthique. Si vous êtes dans l'antisémitisme, vous n'êtes pas dans l'éthique. Ce n'est pas possible. Or, il va falloir tout de même faire une purge, comme disaient les psychanalystes. Une purge, hein. Nous sommes dans le domaine de l'anamnèse et de la catharsis. Faites une catharsis. Je suis dans une démarche éthique, mais complètement avec humilité, parce que quand je vois les 5 directions qui ont été indiquées ce soir, je sais que c'est un grand et long travail et qui, à mon avis, n'est jamais terminé. Que je peux m'en servir dans ma vie au quotidien, que je peux m'en servir dans mon entreprise, que je peux m'en servir aussi par rapport au management et en tant que cadre expert aussi dans une entreprise. La maturité, c'est précisément retourner. Dit Ibn Arabi, ô toi qui cherches le chemin qui conduit au secret, reviens sur tes pas, rentre à l'intérieur de ton cœur, c'est pas la raison, ton cœur, c'est là que se trouve le plus grand des secrets. Ce monsieur que je connais en Turquie, c'est un peu ce qui se passe, il est paysan, il joue à l'extérieur, et vraiment c'est fréquent que les moineaux viennent tourner autour du monde pour avoir ce pose, ce dispute, ce posé sur le manche. Et c'est-à-dire qu'il y a un moment où on a beau être un grand musicien, savoir plein de choses, vraiment être virtuose, être tout ce que vous voulez, il y a un moment où la dimension du savoir-être, c'est-à-dire tout le rapport qu'on a avec cette capacité, avec ce pouvoir, tout ce qu'on prétend pouvoir faire, tout ce qu'on prétend être, s'il n'y a pas une attitude vraiment à la fois très présente, très impliqué dans ce qu'on fait, et en même temps très humble, avec toute cette matière-là, les oiseaux, ils viennent pas. Voilà. En ce qui concerne le troisième point, vous savez, là, c'est là où nous avons la raison et le cœur. Je vais montrer en 3 phrases que la raison est relative. Ça fait bouger beaucoup de philosophes, ça fait beaucoup tressaillir beaucoup de gens. Les 3 phrases sont les suivantes de sémantique générale. Premièrement, la carte n'est pas le territoire. Le fait de dire que la carte n'est pas le territoire
eh bien, c'est, on peut gagner des conflits, on peut gagner des guerres, on peut gagner des marchés, on peut gagner des contrats, on peut faire la paix également lorsqu'on se rend compte que la carte n'est pas le territoire. Deuxièmement, la carte ne représente pas tout le territoire. La carte ne représente pas tout le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire une carte ? Une carte, eh bien, ceci correspond, ceci est une carte. Ce que je suis en train de raconter est une carte. Ça veut dire que ces cartes, le Coran ne représente pas, contrairement à ce qu'on pense, le Coran ne représente pas tout l'univers depuis sa création. C'est-à-dire qu'il y a toujours, vous listez par exemple un certain nombre de choses, et puis à la fin, si vous êtes honnête avec vous-même, et je le souhaite, et je vous le recommande, c'est que vous ajoutez un etc. Par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire ? La troisième conséquence, c'est que la carte est auto-réflexive. Qu'est-ce à dire ? Ce document est auto-réflexif. Il vous appartient. Dans mon langage, je dis que la carte, ou plus exactement, le cartographe est dans la carte. C'est ma représentation. C'est ma représentation. Et le fait d'être conscient et puis d'agir en conséquence, c'est absolument extraordinaire. Au-delà de l'intelligence émotionnelle, je dirais qu'il y a l'intelligence situationnelle. Je prends un exemple très simple. Je m'appelle Mohamed, j'envoie des CV en tant que candidat, je m'aperçois que j'ai peu de retours, et puis je m'aperçois que si je change mon prénom Mohamed en Jean, ben j'ai des retours. Qu'est-ce que je fais ? Où est-ce que je mets mon curseur ? Est-ce que je mets mes valeurs de côté ? Est-ce que je fais attention aux contraintes professionnelles ? Qu'est-ce que je fais ? Il n'y a que des réponses individuelles. Et je crois que c'est un exemple assez symptomatique des micro-décisions qu'on prend tous les jours, on fait ça en fait. On va arbitrer entre valeurs et situations. C'est pour ça qu'il est indispensable justement de faire ce travail à l'intérieur de soi. Et ceci est valable aussi bien pour celui qui aimait, Mohamed qui aimait son CV, mais également pour l'autre, comment va-t-il réceptionner le truc. Par conséquent, le problème concerne les deux. Et donc la formation, c'est-à-dire vraiment ce travail sur soi, est valable pour Mohamed, parce que si Mohamed a fait ce travail sur soi, il se peut très très bien qu'il n'a pas besoin. En tous les cas, il prendra de la distance par rapport à son CV. De la même façon, celui qui reçoit les CV, si réellement il a fait ce travail à l'intérieur, eh bien, il va être d'une... Je vais dire le mot, mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas être neutre. Hein. Donc, il aura une forme de simple d'empathie hein, pour recevoir, pour lire le CV. Parce que le CV, c'est encore une fois, ce n'est qu'une carte. J'accompagne la croissance d'entreprise en accompagnant des dirigeants. Et il y a des entreprises qui détruisent et d'autres qui construisent les gens. Et donc je peux être amené à faciliter un système destructif ou constructif. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces entreprises, elles sont en guerre aujourd'hui, elles sont en difficulté, et qu'elles sentent la rupture. Il y a un effet de rupture. Les gens ont maintenant besoin de décisions claires, de décisions sincères, de décisions où on a envie d'aider les gens. Et on prend en compte le facteur humain beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus que les faits. Il y a quelque chose qui m'interpelle aussi dans le management aujourd'hui, et de plus en plus, c'est que très peu de grands dirigeants, dès lors qu'ils mettent en place une politique, des projets, aucun n'est impacté à aucun moment donné par cette politique et ce projet. C'est exactement la caricature du manager que vous venez de donner. C'est-à-dire que quand on passe management, on passe entreprise du CAC 40. Et je peux vous assurer que pour les managers qui sont à 95% des chefs d'entreprise de TPE, PME, ici c'est le cas dans la région, c'est extrêmement frustrant de toujours être confronté à ces problèmes-là. Les problèmes des managers du CAC 40, ce n'est pas du tout nos problèmes à nous. Nous avons des problèmes qui sont extrêmement plus terre à terre, et effectivement, les problématiques de management du personnel, des personnes qui sont sous nos ordres, en gros, c'est 80% du temps que l'on passe à l'entreprise. Et 20% à prendre nos décisions. Donc, si on se plante dans le management, on se plante dans notre activité. Quand vous avez une personne que vous devez licencier, et que vous devez lui dire en face à face, je te licencie,
C'est pas Carlos Ghosn de Renault qui le fait. C'est moi qui le fais avec quelqu'un que je connais parce que je l'ai embauché. Ça n'a absolument rien à voir avec le management de l'entreprise que c'est le but du management, pour moi, c'est amener, entraîner les gens avec qui on travaille dans le domaine possible, mais qui doit être adossé, c'est de les amener à leur propre réalisation. C'est ça, la définition pour moi du management, le plus haut niveau, c'est celui-là. Aujourd'hui, on se retrouve devant des patrons, des directions qui savent faire et donnent, si vous voulez, des techniques pour faire. Par contre, elles nous laissent un peu démunis dans le savoir-être. Donc c'est cette démarche de savoir-être qui correspond partiellement à la question du monsieur également, qui nous pose un problème aujourd'hui. Alors moi, je fais partie d'un grand groupe, effectivement, économique. Ce grand groupe, lui, il a une stratégie, il a une politique et il a une exploitation dont je fais partie, troisième niveau, en tant que dirigeant. Moi, la politique, la stratégie qu'il définit, on ne me demande pas mon avis, elle existe. Moi, je ne peux qu'adhérer à la stratégie, ou alors je ne peux pas rentrer. Ensuite, il va me donner une politique. Et cette politique, je vais l'appliquer dans mon exploitation, mais je vais l'appliquer avec mes méthodes de management. Le fait de pouvoir comprendre la stratégie des autres, c'est très très important. Et vous ne pouvez pas comprendre la stratégie de l'autre si vous n'avez pas mis, comme je le disais tout à l'heure, s'il n'y a pas eu chez vous cette catharsis. C'est-à-dire que vous ne pouvez recevoir le message vrai, réel, ou très approchant, que dans la mesure où vous êtes susceptible, vous êtes à même de recevoir ce message. Et vous ne pouvez pas comprendre la politique de vos chefs si vous, réellement, vous n'êtes pas capable de l'intérioriser. C'est-à-dire, en même temps, c'est ça le paradoxe, hein, Fanny. En même temps, l'intérioriser et en même temps prendre de la distanciation par rapport à tout ça. Il faut rendre à la politique la place qu'elle doit occuper. L'éthique, la morale, etc. font partie de la politique. Parce que la politique, c'est choisir, c'est anticiper, etc. C'est régler des conflits, c'est voir un petit peu les intérêts des uns et des autres. C'est ça la politique. Alors on nous dit, attention, c'est l'économie qui gouverne le monde. Je dis non, bien que tu aies de formation économiste, je dis non, ce n'est pas l'économie qui gouverne le monde. Il devrait, ça devrait, c'est le retour au politique. Et tant que le politique n'a pas pris sa véritable place, eh bien, il y aura des crises et des crises et des crises. Par conséquent, encore une fois, et la politique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le sens de votre projet. Ayez un projet. Ayez un projet. Il y a beaucoup d'honnêteté dans les différentes interventions, beaucoup d'honnêteté. Il n'y avait pas de chiquet, il n'y avait à mon avis, ce que j'ai ressenti. Il y avait une ambiance qui se prêtait parfaitement au dialogue, à l'échange. Pourquoi le management est éthique ce soir? D'une part, parce que le centre éthique tient compte, je dirais, à la fois de la différence. Et là, c'est deux êtres bien particuliers. Nous avons été honorés de leur présence dans le sens où il y a à la fois la question de la matérialité et de la spiritualité, la question profonde hein, qui est de pouvoir donner un axe principal de comment déjà essayer de soulever la question de management, par quel bout, et la question de l'éthique. Et est-ce que les deux, compatible, est-ce que c'est possible? Est-ce que le management et l'éthique, même en cas de crise, en cas de guerre, en cas de difficulté, en cas de différence, on peut toujours parler de l'éthique? Est-ce que c'est un état d'esprit? Ou rester au demeurant en suspension par rapport aux questions qu'on peut se poser aujourd'hui? Ben güzel görmedim senden.
Merci, abeille.